À Zander, le 13 septembre 2015, les couleurs du moderne FA Lumana Africa et les effigies de Hamma Amadou étaient naturellement perceptibles. D'abord par l'habillement de certains militants qui ont su créer l'harmonie, le style et la mode à travers les couleurs du parti, auxquelles il faut ajouter des parapluies, des chapeaux, des sacs à main, et même les cicatrices de Hamma Amadou étaient au rendez-vous du congrès extraordinaire. Dans les coulisses de ces assises, il y a la présence très remarquée du jeune leader du CPR Nganchi. Même s'il ne partage pas les mêmes points de vue sur toutes les questions nationales, l'homme de la rupture a répondu à l'invitation de l'homme de l'alternance. Mokhtar Mamman Kassoum a dit aux partisans de Hamma Amadou ce qu'ils veulent entendre. Je prie Allah pour que de la même façon où je suis présent physiquement en son congrès, au congrès de son parti, fasse Allah qu'il soit lui aussi le 7 novembre présent à notre congrès qui se tiendra Inch'Allah ici même à Zander. Dans le complot, la méchanceté, dans la division et la haine, nous allons tourner au rond, nous n'allons rien faire de constructif. La diaspora Lumana était aussi très remarquable à Zander. Elle s'est fortement mobilisée pour être grand témoin de l'histoire de l'investiture du candidat du moderne FA Lumana Africa au présidentiel de 2016. Pour cette diaspora, il est clair que Hamma est en route pour Niamey. Inch'Allah, Hamma sera là. Parce que nous, on ne peut pas faire de déplacement pour venir investir le président Hamma en tant que candidat à la présidentielle et que Hamma ne soit pas là. La garantie, il est investi. Donc maintenant, la balle est dans son camp et Inch'Allah, Hamma, tout le monde le verra dans les jours à venir. Les députés du modèle Lumana Africa ont aussi donné un éclat à ce congrès. Eux qui sont admirés par les militants parce qu'ils ont, disent-ils, préféré leur dignité à l'argent en restant fidèles à Hamma Amadou. Parmi eux, le très virulent Nassiru Alidou. Mohamed Issoufou peut tout acheter à nous, mais il ne peut pas acheter notre cœur. Parce que le cœur humain est merveilleux. Aujourd'hui, toutes les régions, y compris la diaspora, et surtout la région de Zender, ont montré que le cœur humain est merveilleux. Et ils ont tous dit Hamma Amadou. La seule candidature officiellement investie à la présidentielle 2016, c'est celle de Hamma Amadou, pour le moment. Par contre, je doute, je m'interroge que Issouf Hamma Amadou soit le candidat prochain du PNDS. Comme vous le savez aussi, nous avons dit que Issouf n'a aucun avenir. Issouf n'a aucun avenir politique, il n'a aucun bilan. L'histoire vient de le monter encore davantage. Son ministre d'État à la campagne pour sa réélection vient de le dire, ce sont tous des voleurs. Ils ont trahi le peuple nigérien, ils n'auront aucune chance d'être réélus. Inch'Allah, Hamma Amadou est le prochain président de la République du Niger. Les militantes et militants du moderne FA Lumana Africa n'ont pas donné l'impression que leur président Hamma Amadou était absent au rendez-vous de Zander. L'ambiance qui a régné le prouve. La détermination dans les propos des uns et des autres le confirme.